Après les signes du zodiaque, des signes astrologiques les plus hypocrites chez les femmes. Point, voici le trio gagnant pour les hommes. Et, surprise, ce ne sont pas exactement les mêmes signes qui montent sur le podium de l'hypocrisie. Le signe du mystérieux Gémeaux, 21 mai à 21 juin, est réputé pour être le signe le plus faux du zodiaque. L'homme Gémeaux donne l'impression de constamment porter un masque, changeant d'avis selon les circonstances. Comme la femme Gémeaux, l'homme Gémeaux est particulièrement sociable. Et, c'est souvent par peur de blesser son entourage, amis, collègues ou famille, que ce dernier préfère ne pas tout dire. Grand orateur. L'homme Gémeaux préférera ne pas mentionner certains détails qui pourraient mettre dans l'embarras son interlocuteur. À noter, pour bien comprendre son caractère versatile, l'homme Gémeaux ne veut en aucun cas passer pour le méchant. Point, d'où parfois son manque de franchise. Le signe de la Balance, 23 septembre à 23 octobre, est considéré comme le plus indécis du zodiaque. En amour comme dans la vie, l'homme Balance aura donc plutôt du mal à prendre l'initiative. Effrayé de faire le mauvais choix, l'homme Balance cherchera à éviter toutes les situations désagréables. Conscient de son indécision, l'homme Balance parviendra difficilement à donner un avis sincère, sachant pertinemment qu'il pourrait changer d'opinion dans les heures qui suivent. Autre trait de personnalité, la Balance peut faire semblant d'apprécier une activité commune pour ne pas blesser l'ego de son partenaire, mais surtout pour préserver la paix dans son entourage. En effet, la Balance a, en effet, un réel besoin d'harmonie et ne supporte pas les conflits. Pour certains, le Cancer, 22 juin à 22 juillet, est le pire signe astrologique du zodiaque. Parfois jaloux, légèrement naïf et un brin idéaliste, l'homme Cancer a toujours peur d'être déçu par ses proches. En amour, l'homme Cancer a besoin de se sentir aimé au point de faire du chantage affectif pour obtenir ce dont il a besoin. Lorsqu'il se sent trahi, l'homme Cancer peut se transformer en un grand manipulateur, menteur et hypocrite. Le Cancer est néanmoins un amant fidèle s'il se sent en sécurité. La carapace de ce grand sensible se fend alors pour révéler à l'être aimé une grande sensibilité et un romantisme exacerbé. Découvrez ce qui vous attend chaque jour, signe par signe, avec notre horoscope du jour.